Que devient Ricky Martin? De son vrai nom, Enrique José Martin Morales. Ricky Martin s'est imposé comme une figure emblématique et incontournable de la scène musicale latino, surnommé le roi de la pop latino-américaine. Il a vendu 90 millions d'albums dans les années 2000. La musique est une passion qui l'a toujours animé. À 13 ans, il intègre Menudo, un boys band latino. L'expérience durera tout de même 5 ans, et c'est en 1989 qu'il débute sa carrière solo à seulement 18 ans. Et c'est un énorme succès. Qui ne connaît pas Maria, Un, Dos, Tres, sorti en 1995. La Copa de la Vida, paru en 1998. Ou encore Livin' la Vida Loca, sorti en 1999. Pendant 10 ans, le chanteur va enchaîner les hits et connaître le succès à travers le monde. En 2007, après sa tournée mondiale, Ricky Martin décide de s'éloigner quelque temps du monde de la musique. L'année suivante sort un best-of de ses chansons, intitulé 17. Fin 2010, Ricky Martin sort une autobiographie, Mu, qui se classe dans la liste des best-sellers du New York Times. Malgré son image de sex-symbole latino, le chanteur fait son coming out dans ce livre après des années de rumeurs. Une annonce fruit d'un processus intense qui lui permet, selon lui, de se libérer d'un poids. Le chanteur entame une autre grande tournée qu'il achève fin 2011. Après un rôle à Broadway dans le show Evita, Ricky Martin fait une apparition dans un épisode de la série Glee en tant que professeur d'espagnol. En 2016, il commence à fréquenter Johan Josef, un artiste peintre suédois de 13 ans, son cadet, et avec qui il aura deux enfants, Lucia et Ren, Martin Josef. Ricky Martin est également père des jumeaux Matteo et Valentino, nés en 2008. Une relation qui s'est récemment finie après 6 ans de mariage. Le couple a annoncé avoir décidé de mettre fin à notre mariage avec amour, respect et dignité pour nos enfants et en honorant ce que nous avons vécu en tant que couple pendant toutes ces merveilleuses années. En 2022, il a été accusé par son neveu de 21 ans, Yadiel Sanchez, d'agression sexuelle. Une plainte depuis retirée, mais qui a sali la réputation du chanteur et lui a porté un gros coup au moral, il a depuis décidé de poursuivre son neveu en justice pour diffamation, 30 ans après la sortie de son premier album. Ricky Martin est toujours dans le monde de la musique. En 2020, le roi de la pop latine dévoile son projet de double EP Posa et Play. Il enchaîne les collaborations, notamment avec le chanteur Sting. En 2023, il annonce sur les réseaux sociaux l'arrivée d'une tournée nord-américaine, The Trilogy Tour, qu'il animera avec ses amis de longue date, Pitbull et Enrique Iglesias. Actuellement, il cartonne en tant qu'acteur dans Palme Royale sur Apple TV+. Ricky Martin revient sur petit écran dans le rôle d'un majordome. Une carrière qui n'en finira donc jamais pour le bonheur des fans.